Le 8 et le 10 octobre, les élèves de l'école de commerce et du collège ont pu assister dans notre aula au spectacle de l'humoriste genevois, David Cunado. Ce stand-up, forme particulière de One Man Show, a été généreusement offert par l'association des parents d'élèves. Qui veut faire l'humour avec moi est un spectacle comique au cours duquel l'humoriste s'adresse au public de manière informelle, sans accessoires ni costumes, en racontant des histoires drôles, souvent inspirées du quotidien, entrecoupées de chansons où l'artiste exploite ses talents de crooner. Il y a 20 ans, voilà, cette école accueillait ses premiers élèves. Et puis moi, il y a 21 ans, j'étais à l'école de commerce de Châtelaine. Ça veut dire qu'en fait, j'étais comme vous, mais en moins futé. Vous êtes des collégiens, non? Pas tous. Ah, c'est ça, excusez-moi, hein, je suis un peu intimidé. Quand même des collégiens. Quoi. Des futurs profs, quoi. Il y a une photo souvenir avec des profs de l'époque que je vais vous montrer maintenant. Il y en a quelques-uns qui sont peut-être dans la salle, je ne sais pas, mais regardez les têtes qu'ils avaient. Il y a 25 ans. Alors, Marc-André Coton. Marc-André Coton, vous connaissez? Moi, je l'ai eu comme prof de classe. Nous avons Alain Lutien, qui est là, j'imagine. Ambrosio, j'ai dit Ambrosio, il est là. Donc, ça, c'était Patrick Desfuchil. Il avait la même moustache à l'époque. Il y en a qui disent qu'il est né avec cette moustache. Il y a des 12-17 dans la salle? Ok, c'est bon. On est en train de nous en chaîne, calme. Là, simplement, je suis un segundo. Hein, pour rappel, un segundo, c'est un enfant d'immigré de la deuxième génération, souvent considéré en Suisse comme un étranger, et à l'étranger comme un Suisse. S'il y a un gars à la même table qui demande du sel, il dira « Regarde, la main à ça, Landa !» Non, mais tranquille, hein. Oh, monsieur. Ici, en Suisse, on parle doucement. 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 Papa, papa, je donne aux toilettes. Et bien, quand un enfant naît en Suisse, son premier cri, c'est un chuchotement. Même quand la mère est en train d'accoucher, oh, la sage-femme, je t'ai doublé, pardon, excusez-moi. Quand vous allez au stade de la Praille, il y a un match de servette. Si vous y allez, et ben là, il y a sur interstère. Gol d'Espagne. Tu rentrais dans les toilettes, t'avais l'impression de rentrer dans une vessie. Tu rentrais, t'avais l'impression que les gars, ils avaient peint les murs avec de la pisse et qu'ils avaient pissé dessus, ça sent bien fort. Tu rentrais, tu retenais ta respiration, évidemment. T'arrivais et que des toilettes turques. Alors t'arrives tranquille et comme c'est l'été, t'es en schlaps. Et au moment où t'as fini, tu tires la chasse et là t'as un bain naturel des pieds. C'était super. Olé. Elle, elle est belle et elle le sait. Ouais, toi t'es moche, tu le sais, tu dis rien. Je me rappelle comme si c'était hier. Ah non, franchement, c'est un souvenir mais indélébile. D'ailleurs, je me rappelle, je me suis dit à ce moment-là, voilà, c'est ça que je vais faire quand je serai grand. Jouir. Alors je suis devenu un grand. Qu'est-ce que c'est ça? Magazine. Il est à qui? Ben, il est à moi. Oh, tu m'as fait peur, je croyais que c'était à ton père. Salut, ça va, ouais. Salut. Non, le vrai sourire du fond du cœur, c'est salut. Alors, quand je suis revenu du Bangladesh, je me suis dit, ben voilà, je vais essayer de faire ça ici en Suisse. Pensando, pensando.
Bah, elle est nulle, quoi. Ouais. Et alors? Oh, bah, tu vas te payer la honte. Ouais. Et alors? Ouais, bah, c'est trop la honte. Ça se dégonfle comme ça, et puis là, il ferme sa gueule. Il ferme sa gueule. Look at your trousers, isn't it nice? Yes, and so what? L'ému? Ouais. Et alors? Allez, 250 balles. Ah, bravo. Alors, en tant que père, t'es super. Bravo. Alors là, se faire clasher par sa fille de 14 ans, mais c'est vraiment la honte. Non, je regarde ma voix, je lui fais, ouais, alors. Et encore? Attends, je vais quand même pas faire emmerder par moi-même. When we all together dancing,